Allez, c'est parti, nous allons débuter notre quatrième expédition dans la jungle de l'oubli. Débordant d'excitation à la perspective de l'aventure qui nous attendait, je me précipitais vers le port. Le capitaine n'était pas encore arrivé, aussi j'ai patienté sur le pont en profitant de la brise fraîche. Ce matin, un scientifique s'est approché de moi pour formuler une requête. Il m'a parlé d'une mystérieuse boîte qui avait été enterrée quelque part dans la région que nous devions explorer. Il nous a promis une généreuse récompense si nous arrivions à la retrouver. Eh bien, j'accepte sincèrement, parce qu'il nous faut de l'argent. Il a hoché la tête en signe de remerciement et il nous a souhaité un bon voyage. Avant de partir, il a précisé de ne pas ouvrir la boîte. Mes expéditions précédentes s'étaient avérées plutôt fructueuses et j'ai senti que j'allais bientôt voir mon visage sculpté sur cette statue. Ma réputation s'étant répandue, attirant son lot d'aventuriers désireux de rejoindre ma cause, qui allais-je choisir de recruter? Malheureusement, ma taille d'expédition est de 5 sur 5, donc je ne vais prendre personne. Non, même s'il y a James Sterling, c'est pas grave. Non, merci. Après une longue attente, notre bateau était fin prêt à larguer les amarres. Achetons d'abord de l'équipement. Alors, l'amélioration de l'animal. Donc, c'est 100. C'est 100 pièces d'argent. Ok. S'il nous reste de l'argent, on le fera. Sinon, tant pis. On va voir ce qu'il y a comme équipement. Donc, on va aller dans la jungle de l'oubli. Donc, il nous faut des machettes. Ensuite, on a déjà une tente. C'est très bien. On n'a plus de cordes là, bizarrement. On va prendre trois cordes. On a une pelle. On va prendre deux. On a encore. On va prendre une torche. On a cinq trousses de soins, ce qui est suffisant. Et t'as 124 déjà. C'est compliqué. Oh, un fusil, oui, mais bon, vu qu'on va pas se battre, c'est pas grave. Allez, on va faire affaire. Et du coup, il nous reste 124, on peut améliorer l'animal. On peut améliorer Monsieur Peter ou Monsieur Palliser. Je préfère en améliorer qu'un seul. Comme ça, s'il faut sacrifier un animal dans un village, on n'aura pas trop de haine à le. À sacrifier Monsieur Peter, bien sûr. Allez, hop. Et larguons les amarres. Expédition numéro 4. Donc je rappelle, avec Mary Kingsley, on essaye de faire une expédition pacifique. Donc en essayant de ne pas changer du coup la nature du terrain que l'on exploite, c'est-à-dire ne pas voler dans les temples et sanctuaires, et ne pas piller les villages, et à essayer d'avoir la meilleure réputation possible auprès des indigènes. Mon attention était complètement absorbée par l'étude de la carte de cette région quand nous avons finalement touché le rivage de cette nouvelle région à explorer. Nous avions atteint notre destination et il était temps de commencer l'expédition. Alors voyons voir ce qu'on peut laisser. Ah, mais j'ai encore le Necronomicon là. Ça, c'est excellent le Necronomicon. Le problème, c'est que ça use beaucoup, beaucoup de santé mentale. Ça, on peut garder. Ça, on peut garder. On va tout garder, je pense. Hein. Oh, l'eau. L'eau, on n'a pas besoin d'eau. Ok. C'est parti. On n'a pas besoin d'eau. On débute l'expédition. Par contre, je vais mettre juste un peu de musique. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de musique. Souvent, je joue en écoutant mes propres musiques ou en écoutant des émissions, donc j'enlève la musique, mais là, c'est bon. Ok. Alors là, on n'a pas de point d'intérêt déjà pour commencer. On n'a que 10 machettes, ah ouais. Première chose à faire, regardez la carte donc, qui nous permet de retrouver cette fameuse boîte qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Elle n'est pas là. Donc une vieille carte toute froissée que m'a donnée un scientifique. D'après lui, elle indique l'emplacement d'une boîte enterrée qu'il nous a demandé de lui apporter. Et de ne pas ouvrir surtout. Ok. Eh bien dans ce cas, nous allons. Oh, la pyramide a l'air d'être en haut. Plein nord la pyramide. A savoir qu'à partir des expéditions 4 jusqu'aux expéditions 6, il peut y avoir des pyramides qui ne s'ouvrent que grâce à une pierre qu'on appelle la Moonstone, la pierre de lune.
Oh, ça y est, ça c'est bon. Oh, toujours un beau cercle de pierre là. Entrons dans ce cercle de pierre. Nous sommes tombés sur une formation rocheuse qui était incontestablement l'œuvre de l'homme. Il y avait des inscriptions gravées sur chaque pierre. Peut-être était-ce une sorte de carte. Et nous allons toujours révéler les campements tout d'abord. Les ruines ne nous servent à rien vu qu'on veut pas piller les tombeaux. Les villages, ça peut servir, mais les villages, je pense qu'on les verra en temps et en heure. Mais les campements pour se reposer la nuit, c'est vraiment hyper important. D'ailleurs, il y en a un juste là. Donc ça, c'est cool. Donc on va pouvoir finir les environs et aller se reposer. Voyons voir ce qui se cache par ici. C'est un sanctuaire que l'on ne va pas visiter. Parce qu'on n'est pas des pilleurs de sanctuaires. Donc allons. Alors je sais pas si ça vaut le coup de se reposer maintenant. Allons d'abord visiter ça. Donc passer dans les marécages, ça utilise une corde. Il va falloir faire attention quand même. On n'a pas beaucoup de cordes. Allez, explorons ça. Cet endroit lugubre et sinistre était situé au milieu d'un marécage. Avec les restes dispersés d'éléphants morts depuis très longtemps. Pour une raison inconnue, plusieurs générations de ces majestueuses créatures étaient venues mourir ici. Cet endroit semblait avoir été fortement marqué par un animal sauvage. Rester ici attirait certainement d'autres invités indésirables. Bon. Donc du coup, nous allons pas fouiller la zone. C'est pour se faire attaquer par des animaux sauvages, on n'est pas du tout équipé pour ça. On n'a même pas d'armes, on n'a rien du tout. Donc allons nous reposer juste une nuit peut-être. Par ici, nous sommes arrivés à un rocher en surplomb. Il nous servirait d'abri rudimentaire contre les éléments naturels. On va se reposer juste une nuit. J'ai dit à l'expédition de faire halte ici. Tout le monde a pu se reposer. La nuit était chaude et étoilée. J'ai regardé profondément dans les yeux du visage sculpté dans la montagne. Leur contemplation me faisait me sentir comme un grain de poussière ballotté dans un univers indifférent. Qui avait taillé cette énorme monstruosité? Quand? Et qu'est-ce qui se cachait derrière sa grimace immobile? Allez, on se repose et on va repartir tout frais et dispo. Nous nous sommes préparés pour le départ. Le rocher imposant s'est avéré être un parfait rempart contre le vent et la pluie. Ah bah c'est parti. Alors, nous allons... aller vers le nord, je pense. On va aller vers la pyramide. Parce que là, il n'y a pas de... Il faudrait monter sur une colline. C'est très très vert. Là-bas, deux points d'intérêt. C'est par là qu'on va aller. Ah! Panthère et un gorille, bah d'accord, ok! On est un peu dans la merde là si on va par là. Si on va par là, c'est la jungle. Ok. Il vaut mieux contourner la bête. Oh, un village autochtone. Ça c'est très très bien ça. Alors quelle est notre réputation? Elle est à 1 seulement, donc il va falloir déjà augmenter notre réputation auprès du village. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un village. Ces villageois étaient les guerriers d'un clan puissant et les protecteurs de cette région. L'air était rempli d'un délicieux arôme. Les villageois nous ont fait signe d'approcher pour partager avec eux leur repas fraîchement cuisiné. Très bien, ils nous offrent de la nourriture. Excellent. Les villageois nous observaient avec attention. Ils furent accueillants et ils ont offert de nous aider dans la limite de leurs moyens. Dès notre arrivée, Razazmi a commencé à discuter avec les indigènes. Mais attends, est-ce qu'on peut faire des études anthropologiques? Je crois. Hein. Troquer. Alors, on peut acheter ça. En plus, c'est en promo. Et ça, souvent aussi, c'est en promo. On prend. Le reste, on s'en fout un peu. Par contre, il va falloir... Non, ça c'est pas bon. Bah ça déjà. Mais il va falloir donner plus. Oh, qu'est-ce qu'on peut leur donner?
La viande. C'est vrai qu'on n'a pas de nourriture du tout là. On n'a pas acheté de nourriture, c'est truc de fou ça. Ça a beaucoup de valeur ça. On pourrait leur donner ça, c'est vrai que on peut continuer à explorer sans machette. Ça, ils veulent pas du tout. Ah le mais ah non. Bon, on va donner ça. Il faudrait vraiment qu'on ait meilleure réputation auprès d'eux là. Voilà. Allez, on fait affaire. On a plus de réputation. Et on va se reposer. Quoique, on est à 73. On va partir. J'ai demandé aux hommes d'emballer nos affaires et nous avons quitté le village car de nouvelles aventures nous attendent. On va explorer les alentours et on ira se reposer plus tard. Là, on a deux trucs. On peut aller grimper ici, d'ailleurs, pour voir les environs. Voilà. Ok. Donc là, on a peut-être deux cavernes, je ne sais pas quoi. Une grotte. C'est parti. Nous nous sommes rapprochés d'une grotte. Son entrée menait vers des ténèbres d'une profondeur insondable. Nous aurions besoin d'une torche pour révéler ses secrets. Nous avons allumé une torche et nous avons pénétré à l'intérieur. Nous sommes arrivés dans une petite caverne, renfermant les restes éparpillés de ce qui semblait être une expédition ayant échoué ici. Là, les restes décomposés de ce qui devait être un explorateur africain qui nous fixait avec un rictus ironique. Tous ses os semblaient avoir été brisés pour aspirer leur moelle osseuse. Examinons les restes. À notre grande surprise, une des caisses vermoulues contenait de l'équipement encore utilisable. Oh, une nouvelle carte au trésor, ça je prends. Eh ben, on prend tout. Tout simplement. Ok, alors on peut aller choper les papillons. Le problème, c'est que ça va user pas mal de. On va aller les choper quand même. Ça fait un trésor en plus, hein. Ici. Voilà. Par contre, je sais pas du tout à quoi servent ces arbres géants. Il y a un autre point là. Et là, on est un peu loin de tout, hein. Ouais. Alors, soit on revient au village. C'est juste, mais en mangeant un peu, ça ira. Je crois que c'est ça qu'on va faire, et après, on va peut-être revenir. Le problème, c'est que comme je n'ai plus de machette, c'est un peu plus compliqué, hein. Ça nous intéresse pas. On a toujours l'option de la tente, hein, bien sûr. Là, je vois pas ce qu'il peut y avoir. Allons voir. Et c'est une mission. Alors, dans les missions, on peut se reposer aussi. Mais par contre, ça a un coût en valeur. Ça, c'est pas un coût en réputation. Ce qu'on peut faire, c'est dresser la tente. Hein. Parce que là, je sais pas trop ce que je vais pouvoir troquer avec lui. On peut toujours aller voir, hein, après. Par contre, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on soit supérieur à 30. Hein. Allez, entrons dans la mission. Nous sommes entrés par la porte principale et nous avons été accueillis par un vieux missionnaire. Il avait l'air soulagé de voir enfin de nouvelles têtes. Après que lui et ses frères soient restés coupés du monde durant une éternité, selon ses mots. Nous allons voir ce qu'il a à troquer. Le missionnaire nous a offert quelques provisions. Encore une carte. Ah, d'ailleurs, j'ai pas regardé la carte au trésor qu'on vient d'acheter. Mais moi, je dis oui. Est-ce que j'ai assez de pelle? Oui, j'ai assez de pelle. Ben voilà. Faisons affaire, c'était gratuit. Et nous allons rester pour la nuit. Par contre, là, le prêtre a évalué la valeur de nos biens. Si nous tenions à nous reposer avec un toit au-dessus de nos têtes, il nous fallait faire un don. Alors, les dons. Oh, ben ça va, ça coûte pas très cher. On va faire un don de ça. Pourquoi pas une corde? Petite corde, voilà, c'est bon. Une fois sa bourse pleine, l'homme d'église nous a accordé le droit de nous reposer pour la nuit. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident et nous nous sommes rapidement assoupis. Ok, on va pouvoir repartir. Mais surtout, il faut quand même qu'on lise nos.
J'ai eu peur que ce soit là. Ah, c'est là. Eh ben, on va y aller. C'est dans cette forêt-là. Ok. Celle-là. Ah bah c'est ici. Ah mais c'est dingue comme c'est tout proche en fait. Et la dernière, c'était celle-là. Alors je sais plus c'est laquelle où il y a la boîte noire, mais bon. Et celle-là, celle-là où est-elle? Du coup, ça va nous faire pas mal de trésors hein, pour une fois. Alors là, je ne vois pas du tout. Déjà, le terrain n'est pas de la même couleur, donc ça va être une région qu'on n'a pas encore explorée. Ça va être par là-bas, je pense. Ouais. Je pense que ce sera plus au nord là-bas. Là, le terrain est trop vert, c'est pas ici. Ok, en tout cas, on a une ici, hein, c'est bien ça. Revérifions. Oui, c'est ça. Hein. Dans cette forêt-là. Allons-y. Au pire, on dressera la tente. Nous allons creuser, moussaillon. Après de nombreuses heures de travail et une pelle brisée, nos fouilles ont porté leurs fruits. Et c'est un pendule de temple qui va ne me servir à rien. Peut-être à troquer. Nous prenons ça quand même. Ah, il y a un temple pas loin. Ah, bah oui, il est à gauche. Ah, mais c'est un temple. Ah, mais je suis con. Les temples, c'est super en fait. Ça donne des bénédictions. Ah, oui. Et du coup, les cartes au trésor aussi, on pourra aller. Ok, le prochain, il est là. Donc, on va aller au temple. On ira par la droite visiter le dernier truc là-bas. Peut-être aussi un cimetière d'éléphants ou je ne sais quoi. Un chaman peut-être. Il faut qu'on y aille. Hein. Une bénédiction gratuite, je prends. Ah, et je peux augmenter Razazmi. Ok. Comme ça, c'est des. Ils ont tous les deux niveau max. Et ça, c'est cool. Allez, explorons ce temple. Après une longue journée de marche, nous sommes tombés sur un temple mystérieux perché sur une falaise de la montagne et surplombant toute la vallée. Il s'agissait apparemment d'un lieu sacré pour les autochtones. Une grande entrée menait à l'intérieur. Prudemment, nous sommes entrés dans une chambre cérémoniale apparemment bien préservée. Un autel en pierre se trouvait au centre de la pièce. Posé sur l'autel, nous avons trouvé un calice serti de pierres précieuses contenant un étrange liquide. Mon intuition me disait qu'un membre de notre groupe devrait en boire son contenu. Eh bien, laissons Razazmir boire. J'ai proposé à Razazmi de boire le contenu de l'étrange du calice. Sans hésiter, elle a bu lentement la potion. Pendant qu'elle buvait le contenu du calice, sa peau a commencé à devenir plus foncée. Peu de temps après, sa peau était devenue plus dure et plus résistante aux agressions de toutes sortes. Au moment où nous avons franchi le portail du temple, un gros bloc de granit est tombé derrière nous, bloquant son entrée. Désormais, il n'y avait plus aucun moyen de pénétrer à l'intérieur. Ok, donc c'est un lieu condamné et maintenant nous allons. Alors c'est ici. Ah, à chaque fois, j'oublie. Eh bien, nous sommes à 31. Nous allons malheureusement devoir hisser la tente. Donc, ça nous prend 3 jours rien que pour installer la tente. Nous allons nous y reposer. Nous avons monté notre camp. Il ne manquait plus qu'un matelas à plumes pour me sentir comme chez moi. Allez, reposons-nous pour la nuit. Nous avons préparé un camp pour la nuit. Tout le monde a pu reprendre des forces. C'était un bel endroit. J'étais sûr que nous trouverions un repos bien mérité ici. Des visiteurs inattendus sont arrivés dans notre campement. Nous avons été surpris de voir que ces indigènes portaient un équipement complet de guerriers. Bon, on va les inviter. Nous les avons invités à nous rejoindre. Ils ont accepté notre invitation avec plaisir et autour de feu, ils ont partagé leur expérience avec nous. Ben voilà, qu'ont-ils à troquer? Oh, des boucles d'oreilles en or. En plus, c'est en promotion, les gars. Ok, on va leur donner quelque chose quand même. Eh ben, des cartes là. Ah non, valeur 0. Non, ça, ils sont pas intéressés. Des torches. Une torche, deux torches. Allez, deux torches, c'est bon. Ah, quoi qu'on aurait pu donner le truc de temple là. Ah, c'est pas grave ça. Truc de temple ne prend aucune place. Allez, faisons affaire. Ça, c'est cool, ça. Merci à vous. Hein. Dormons. Les indigènes se sont levés et nous ont remerciés pour notre hospitalité avant de disparaître dans l'obscurité. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous, on va se reposer.
C'est un repos réparateur quand même. Dormir à l'abri des éléments de la nature était un luxe que nous ne pouvions nous offrir que très rarement. Alors, on va pas peut-être pas démonter le camp. On va le laisser là. Parce qu'on va y revenir plus par la suite, je pense. Donc, on va aller explorer ce qu'il y a là-bas. Revenir se reposer de nouveau à notre camp. Ouh, ça va être compliqué là, hein. Ah, par là, c'est peut-être mieux, oui. Ouais, ça va faire des distorsions au niveau du groupe là. J'aime pas trop ça. Ah, c'est compliqué, on n'a pas assez de nourriture, c'est ça le problème. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce donc? Une hutte de chaman. Alors, les chamans, souvent, ils ont des champignons, des trucs comme ça. 8 ou 4. En plus, il y a une hyène là, ça me fait un peu peur, ça. C'est bon, elle s'éloigne. Entrons dans la hutte. Nous sommes entrés dans une mystérieuse case. L'intérieur était sombre et humide, avec toutes sortes d'herbes séchées et autres choses bizarres pendues au plafond. Un chaman s'est avancé vers nous. Il avait le regard fixe et mâchait des feuilles. Voyons voir ce qu'il a. Encore une carte au trésor! Oh, mais c'est incroyable! On va l'acheter, hein. Bah si, on l'a gratuitement. On l'a gratuitement. Ok, bah c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait avoir une poupée vaudou? Ça peut servir, la poupée vaudou. Et nous allons échanger à peut-être ça. Peut-être ça, hein? Voilà. Ok. Nous allons partir. Et nous allons utiliser tout de suite la poupée vaudou. Donc ça permet de ralentir les concurrents. Ils vont être immobilisés pendant quelques jours. Voilà. Et nous allons aller chercher le trésor qui est ici. Ok, c'est parti. C'est bon, les hyènes nous laissent tranquille. Alors, je vérifie. Oh, on a combien de cartes au trésor? Donc celle-là, c'est plus tard. Celle-là, c'est la nouvelle. Ah ben, c'est là. Oh, mais c'est fou comme ils sont tous dans la même zone. En plus, c'est près de notre tente. C'est excellent. Et celle-là, c'est celle qu'on a déjà faite. C'était... Attends, non, on l'a pas faite. Attends, si. Oh, je m'y perds tellement on a de cartes là. C'est incroyable ça. C'était où celle-là? Oh, je me rappelle plus. Si, c'était celle-là. C'était celle-là ici, ouais. On l'a déjà faite. On pourrait pas la défausser si on va la défausser. Parce qu'on s'y perd là. Donc celle-là, on va la faire plus tard. Et celle-là, c'est bien ici. On y est. Donc on va creuser. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, excellent, un cube métallique. Un petit cube fabriqué dans un matériau magnétique brillant et recouvert de pictogrammes d'un autre monde. Alors ça, c'est très très important. Les cubes métalliques servent en fait à piller un sanctuaire sans avoir les effets néfastes du terrain. Sans activer les pièges en fait. En fait, on met le cube à la place de ce qu'on vole, comme dans Indiana Jones, quoi, et puis... Et on s'en sort bien. Alors là, par contre, on n'a plus de... Faut qu'on mange là. Notre dernier bout de viande. On n'ira pas loin avec ça. On n'a plus de tente, donc là on a fait vraiment de la merde. Hein. Oh là là, merde! Ah, ça c'est vraiment très très ballot ça. C'est très ballot tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Ah là, c'est dangereux. On aurait dû prendre la tente avec nous. Hein. Ah, on a fait la connerie. Ah là, il va nous arriver des merdes, ça c'est sûr. Là, il va nous arriver des merdes. Donc soit on va... Non, il faut tout de suite aller vers la tente, je pense. Mais le problème, c'est que 60%, c'est-à-dire qu'on a 60%. En fait, la première case, sans santé mentale, on a 20%, c'est-à-dire 20% de chance qu'il nous arrive une merde. Ensuite, c'est 40, ensuite c'est 60. Et ça monte de 20 en 20 à chaque fois.
Et là, c'est 40 seulement. Qu'on va aller là. En espérant qu'il nous arrive rien de fâcheux. Et merde! Nous étions si fatigués que nous sommes devenus moins vigilants. Razazmi est tombé dans un piège plein de pieux. Le piège avait l'air entretenu, les pieux étaient couverts de peau sombre, sa plaie était sûrement infectée. Ah, oh, ça va. On a des trousses de secours, donc c'est pas très grave. On va vite soigner ça. On va soigner Razazmi. Ça aurait pu être pire, des fois ils meurent les gens. Et donc le prochain voyage, du coup, c'est zéro. Donc on va tout de suite aller. Ah bah par ici, c'est mieux. Là, il peut rien nous arriver. On va remonter le camp. On se repose par une. Par contre, se reposer alors qu'on est à zéro en santé mentale, il va sûrement nous arriver quelque chose pendant la nuit, ça c'est sûr. Nous avons décidé que ce serait une bonne idée de passer la nuit ici. Tout le monde a pu récupérer. J'avais l'impression que mon équipe avait perdu tout espoir. Même les flammes du feu de camp ne sont pas parvenues à réchauffer nos âmes en peine. Notre groupe était surmené et une simple discussion entre Shabana Manta et Razazmi a dégénéré en une violente dispute. Quelques instants plus tard, les deux protagonistes se roulaient sur le sol en se frappant violemment et je craignais que tout ça ne se termine de façon dramatique. Et merde! Ah, il faut arrêter quelqu'un. Ah putain de merde. Pff, si on l'arrête, il va partir du groupe, c'est sûr. Ou peut-être qu'il va juste perdre un peu de loyauté. On va arrêter Shabana Meta. On a réussi. Nous avons réussi à immobiliser Shabana Meta et à séparer les deux antagonistes, bien qu'ils se soient serrés la main en signe d'apaisement. Depuis ce jour-là, une agressivité latente persistait entre deux. Donc voilà, on a perdu de la loyauté. Donc Rasa Asmi, il est là. Oui, il a plus que deux en loyauté. Ça va, franchement, ça va. C'est pas très grave. Allez, reposons-nous. Nous allons nous reposer encore une fois. Avant d'aller creuser un prochain trésor. Nous avons décidé que ce serait une bonne idée de passer la nuit ici. Tout le monde a pu reprendre des forces. C'était une belle nuit, tout le monde semblait apprécier ces instants. Je me réveillais le corps trempé de sueur suite à un cauchemar. J'avais rêvé que Pissofée était revenue, mais son visage avait fondu comme de la cire chaude et elle me torturait jusqu'à ce que je lui dise pourquoi je l'avais menée à la folie. J'en frissonne encore tout en écrivant ces lignes. Alors je me rappelle plus trop qui était Pissofée. Mais c'était quelqu'un sûrement qu'on avait dans notre groupe. Et qu'on a dû abandonner en route. Dormir à l'abri des éléments de la nature était un luxe que nous ne pouvions nous offrir que très rarement. Oui, c'est ça. Par contre, ce qu'on va faire, on va pas démonter tout de suite. Je pense qu'on va d'abord aller creuser, revenir au camp, dormir une dernière fois et ensuite démonter le camp. Et on n'a plus que deux pelles, les gars, hein. Oh, une pierre de lune. Ben comme ça, si jamais la pyramide nous en demandera une, on en aura. Donc maintenant, voyons voir où on en est au niveau des cartes au trésor. Donc celle-là, on vient de faire, on peut la défausser. Celle-là, toujours pas. Et celle-là aussi, elle est faite. Ok, bon, on a eu pas mal de trésors, hein, dis donc. Ça, par contre, elle a que 10 en valeur. Ça, 20 en valeur. C'est vrai que j'ai ça aussi, les fusées, hein. Peut également servir à éclairer les zones environnantes. Excellent. On peut se servir de ça. Hein. Ok, on va retourner au camp une dernière fois. Se reposer une dernière nuit, plier bagages. Et je pense qu'on va se diriger vers le village. Allez, on se repose une dernière fois. C'était une belle nuit, tout le monde semblait apprécier ces instants. Je me réveillais en hurlant suite à un cauchemar. J'avais rêvé que Pissofée était revenue, mais ses membres étaient des moignons sanglants et elle me torturait. Encore une fois, mais c'est incroyable tout ça. Allez, on se repose. On va, je pense, aller au village autochtone. Encore une fois, c'est vraiment les jungles denses comme ça. C'est très compliqué d'avancer. Hein.
Allez, on démonte le camp, ce qui nous prend 3 jours. Et on continue. Donc on a 95 de santé mentale. Le problème, c'est que les autres vont bientôt arriver. Et nous, on sait même pas vers où est la pyramide. Hein, vers là-bas, je pense. On est loin d'avoir fini. Hein. Ok, on rentre dans le village. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le troc, ils ont toujours nos babioles là. Ah mais oui, ils ont ça. Mais ce serait vraiment stupide de racheter nos machettes. Surtout que là, ils sont à plus 300%. Oh putain. Donc on va rien faire. Parce que là, se reposer, oui, pourquoi pas. Mais non. Se reposer, ça nous enlèvera 2 en réputation. On n'a que 3. On va partir. Ça, on a une tente, hein, c'est vrai. On va partir. Et on va voir. On va pas aller vers le gorille, tant pis. Ah, bah elle est peut-être là, la pyramide. Non. C'est un sanctuaire. Et cette fois-ci, on pourra aller le pied. C'est vrai que tout là-haut, il y a des sources chaudes. On pourra aller le piller, hein. Parce qu'on a notre fameux cube. C'est une fois du trésor. Un grand bâtiment se dressait devant nous. Ses murs en pierre avaient été ornementés d'une multitude de gravures. Un cercle de sang desséché avait été tracé tout autour de la structure comme un avertissement pour quiconque oserait entrer. Je reniflais l'air, une forte puanteur, comme Paris en plein été. Excellent! Ou un fossé au bord de la route. Puis je vis les vapeurs, des nuages fétides s'étirant en tentacules paresseux depuis de petites fissures dans le plancher. Donc ça, c'est un piège toxique, c'est-à-dire que si on vole ce temple-là, il y aura un nuage toxique qui va arriver et c'est un nuage mortel. Devant nous se trouvait une sorte de salle de cérémonie. C'était une vue à couper le souffle. Nos pas résonnaient entre les murs pendant que nous approchions de l'autel sacré. Et en effet, il y a pas mal de trésors. Donc ce que nous allons faire... Nous allons prendre ça, ça et ça. Et nous allons placer sur l'autel ce petit cube qui va nous servir à ne pas déclencher le piège. Nous vivions un jour de gloire. L'artefact ne décorera plus l'autel. Oui, par contre, j'ai perdu 3 en réputation. Il faudrait qu'on redore notre blason au niveau des autochtones. Là. Continuons. Alors, oh là là, c'est compliqué là. Il faudrait reposer la tente ici en fait. Ah, c'est une grotte encore une fois. On a des torches, on peut aller l'explorer, mais le problème c'est que là, ils sont en train d'arriver. Les concurrents sont en train d'arriver et je pense que la pyramide doit être par là-bas. Hein. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. On va aller... On va mettre la tente. Je pense que c'est... c'est ce qu'il y a de plus, logique à faire. Voilà. Allez, reposons-nous. Encore une fois! Nous nous sommes installés ici, tout le monde a pu reprendre des forces. C'était un bel endroit, j'étais sûr que nous trouverions un repos bien mérité ici. Razazmi et Shabana Mehta ont prétendu qu'elle était celle des deux... qui grimpait le mieux aux arbres. Ça veut rien dire cette phrase là. Les deux ont voulu régler la question regardant qui pourrait escalader le plus vite un des arbres de cette jungle. Bon, on va les laisser se débrouiller. Hein. Petite concurrence. Nos deux énergumènes ont gracieusement grimpé un arbre majestueux. Razazmi est finalement sorti vainqueur de ce petit duel. L'équipe avait retrouvé un peu de joie après avoir assisté au spectacle. J'avais sûrement pris la bonne décision en les laissant se défouler. Yes, ça c'est bon ça. Nous allons aller inspecter la grotte. Nous allons partir de là. Inspecter cette grotte. Allumer la torche. Ah,
Nous avons allumé une torche et nous avons pénétré à l'intérieur. Nous fûmes étonnés de découvrir qu'il s'agissait en fait du début d'un grand ensemble de tunnels ramifiés. Alors si on explore le tunnel, on va ressortir par un autre endroit. Bon, explorons, hein. On va voir ce qui se passe. Nous avons exploré de vastes salles et de nombreux couloirs ramifiés. Nous fûmes soulagés lorsque nous aperçûmes enfin un rayon de lumière nous montrer la voie vers la sortie. Oh là là! On est où là? On est tout proche de la pyramide. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris notre tente avec. Ça, c'est un problème. Donc, il va falloir revenir, hein. C'est vraiment pas un raccourci super. Ouais. Non, non, je préfère aller récupérer ma tente. C'est hyper important la tente. Tant pis, on repère une torche, mais là, c'est trop important. Tant pis pour le classement. Le plus important, c'est vraiment de récupérer la tente. Hein. Allons, on se repose. Toujours c'est. Ces visions là que je vois. Non. On va juste descendre de cette montagne. Ah, ça vaut que deux. Donc là, on est foutu pour le classement, donc autant se reposer. J'ai dit à l'expédition de faire halte ici. Tout le monde a pu reprendre des forces. La bonne humeur était de mise alors que je demandais de préparer du bois pour le feu. Razazmi s'approchait de moi pour me demander des précisions sur la signification de certains mots que j'avais prononcés. Nous en avons profité pour échanger nos connaissances sur nos langues respectives. Ce fut un merveilleux moment de franche camaraderie, interrompu seulement lorsqu'il fut temps d'aller dormir. C'est-à-dire quoi, ne pas aller dormir, en apprendre plus? Oh oui, c'est ça, j'ai jamais essayé. J'ai décidé de continuer à travailler tard dans la nuit et j'ai mémorisé autant de mots que je pouvais. Lorsque finalement nous avons décidé d'aller dormir, je savais déjà que la fatigue se ferait cruellement sentir le lendemain. Oh mais non, ça va. C'est très bien. On est à 100 de santé mentale. Allez, on démonte le camp et on continue. Bon là, on est foutu dans le classement. Mais au moins, on a tout. On a tout avec nous. On va aller par ici. On a pas mal de trésors cette fois-ci, hein. Donc le classement, on s'en fout un peu. Oh là, ça va être compliqué de s'approcher de cette pyramide, hein. Un ancien campement. Voyons voir ce que c'est. Nous avons pénétré dans un ancien campement. Il y avait des vestiges de ce qui semblait être une expédition échouée qui devait être ici depuis longtemps. Mais en plus, il y a des restes d'un passage d'un animal sauvage, donc on va partir. On a assez de trésors là. Oh là là. Alors un sanctuaire que nous allons pas piller par exemple. Par contre, nous allons aller nous reposer aux sources chaudes là-bas. Notre groupe a fait halte près d'une source naturelle d'eau chaude. L'eau avait un coloris étrange ici, mais j'avais déjà entendu parler des vertus curatives de telles eaux. J'ai dit à l'expédition de faire halte ici. Tout le monde a pu reprendre les forces. La nuit était chaude et étoilée. Comme d'habitude, j'ai examiné la zone autour de notre campement afin de m'assurer qu'il n'y ait aucun animal venimeux à proximité. Ce faisant, je me demandais si je serais capable d'anticiper la nature de l'endroit où nous nous trouvions en fonction de son environnement. Par exemple, il semble que les villages soient toujours à proximité d'une source d'eau. Ah ouais, ça je savais pas ça. Reposons-nous. Je sais que les sources d'eau chaude sont toujours entourées de montagnes. Et que les cascades sont toujours aussi près d'un point d'eau. Donc c'est bon. Nous pouvons partir. Par contre, là, il y a un gorille qui nous fait chier quand même. Hein. Il faudrait faire le tour, mais là, comment faire? Est-ce que ce petit pistolet là... Non, non, ça fait pas fuir les animaux, ça. Ah là 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 là, qu'est-ce, comment on va atteindre? Au pire, on fait le tour. Hein. Voyons voir, quel est son itinéraire à lui là? Ah mais il bouge pas. Attends, il va rester là? Ah il va rester là, bah écoute, on va faire le tour. On va passer par là. On va passer par là. Pourquoi il bouge pas le con là? Ah c'est bon.
Il commence à bouger. Ok. Ça nous laisse un petit passage. Sinon, on va direct aller. Oh la merde, il arrive. Ah non, c'est bon, même pas. Ok, bon, on n'arrivera peut-être pas à le dernier du coup, hein. Allez, explorons ça. La pyramide d'or trônait majestueusement au milieu du paysage environnant. Nous avons surmonté tous les obstacles pour atteindre notre objectif. Après une telle expédition, un énorme soulagement m'envahit. Merde, on a oublié la boîte de. Du chat. La boîte du. Des scientifiques. Ah merde! On va perdre la réputation à cause de ça. Pas faire marche arrière là, les gars? Merde! Ah merde! Oh là 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 là, j'aurais dû y penser avant. Hein. On est quatrième. On va perdre des sacottes de renommée, hein, ça c'est sûr. Ah là 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 là. Allez, choisissons, dit Ted. Peut recruter jusqu'à 2 membres par expédition. Vous commencez chaque expédition avec un bonus de réputation. Réduit les coûts de déplacement dans la rivière peu profonde. On va prendre le bonus de réputation. Ça permettra de plus dormir dans les villages. Oh, lui, il s'échappe! Oh là 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 là! C'est dur de les rattraper, hein. Mais on a pas mal de trésors cette fois-ci, donc. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est pourri! Alors. Ça nous donne de l'argent. Ça, on le garde. Ça, c'est de la renommée. Ça, c'est de la renommée. Ça, c'est de la renommée. Il faut qu'on monte au niveau de la renommée, hein. Ok, on a réussi à monter deuxième. Mais c'est toujours pas assez, hein, malheureusement. Il va être dur à dépasser, lui, hein. En plus, on a loupé un trésor, on est vraiment des débiles. Ah là là. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour la quatrième expédition. Et pour la cinquième expédition, nous irons soit dans un désert funeste. Bon, je pense qu'on ira plutôt dans les majestueuses terres arides. C'est toujours plus simple, les terres arides. Ouais. Ouais. Je pense que ce sera beaucoup mieux. En effet.